Salut à toutes et à tous, c'est Humeur67 et on se retrouve pour le 14e épisode de Prince of Persia Warwizard. Et comme dit dans l'épisode précédent, là on va aller chercher la dernière upgrade de vie qui se trouve assez au début du jeu quand même. Genre vachement. Je regarde juste l'heure. Ok. Non, ouais, c'est par là. Hop, hop, hop. Donc je tourne cet épisode, on est encore pendant les vacances. Je sais pas trop quand est-ce que je l'uploaderai. Je rappelle que je tourne principalement du Prince of Persia là. Sur ma chaîne, parce que c'est principalement ce que j'ai envie de faire. Voilà. Salut. One shot. C'est Maître Gims qui a fait une chanson one shot? Je sais plus. On s'en fout au pire. C'était tendu. Ça allait pas passer. Marquez la retraite et regroupez-vous. Vous avez raison, surtout que votre impératrice est morte. Putain, mais il n'y a pas de sable dans ce pays. Salut. Vous vous souvenez de cette salle, j'espère. Hein. C'était l'épisode de 2, 3. Mais oh. Mais tourne-toi. Maintenant, il veut plus. Les contrôles sont sur PC sont quand même plus chauds. Je crois que c'était l'épisode 2. Donc ça date, hein. Ça fait quand même longtemps que je traîne Prince of Persia. C'est ici? Non, c'est pas là. Alors ça par contre j'aime bien, on n'est pas embêté par des ennemis, c'est tranquille. Je sais même plus si dans l'épisode 2 je l'avais notifié, cet upgrade de vie, ou si je l'avais juste ignoré. Toute façon, il nous fallait obligatoirement l'épée du scorpion pour la trouver. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Voilà. Et regardez. Ici, il y a un trou. Et ici, on a une grille avec une caisse. Voilà. Merde. D'accord. Oui, j'ai bien la caisse. Ok. Je sais même plus si je l'avais notifié. Si je l'ai pas notifié, remarqué. Ouais, il faut obligatoirement utiliser un ralenti. Ça, c'est tendu. Hein.
Et elle est juste ici. Ça y est. On a les 9 grilles de vie à 5 minutes d'épisode. On peut voir la cicatrice sur le visage. J'avais jamais fait gaffe. La cicatrice du espèce de garce de l'épisode 1. T'as rien que d'y repenser, ça donne limite envie de refaire le début du jeu. Et voilà. Et on peut voir l'anneau qui est buggé. Ah, ce jeu et ses bugs. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est un de mes jeux. C'est mon Prince of Persia préféré déjà. Parce que c'est seul Prince of Persia que j'aime bien, genre, refaire. Ah ouais, là, ils se sont pas fait chier à faire un bouton, hein. Là, tu passes par au-dessus. Voilà. Et voilà. Ça, c'était censé ouvrir la porte, et là on descendait et on pouvait passer. Par contre, je suis pas trop un adepte de prendre les pièges à l'envers. Une petite sauvegarde. Elles prennent vraiment trop de temps, plus on a de veille de vie. What? Ça m'a pris que 5 minutes pour l'obtenir. Dommage. Je voulais vraiment que ça dure plus longtemps, moi. What? Mais je monte où, moi? Ouais, j'étais bien en face. Regardez, il a respawn. On l'a vu respawn. Voilà. Oh, un joli bug. On peut le revoir? Ah, on en rencontre des bugs à force sur ce jeu. Ouais, bien, bien. Non mais j'applaudis, on est au début du jeu là. C'est une zone où on n'était pas censé galérer. Salut. Comment c'est possible? Comme ça. Je suis trop fort, cherche pas. Alors là, par contre, je sais pas du tout par où descendre. Ah si, je crois qu'il faut faire. Je te tu bouges. Pardon. Je crois qu'il faut passer par là. Ouais. Voilà. Et on va pouvoir chercher la dernière épée du jeu. Je vais dire. Ça commence à bugger. Hein. Et moi je reste comme un con à attendre. Après, je pense aussi que ça commence peut-être à bugger parce que ça fait un petit moment que mon PC est allumé et du coup il lag un petit peu. Voilà. Regardez, on a presque découvert toute l'île. Je sais même pas si on va dans ces deux zones là en bas. Ah si, on y va. On y va avec le masque. Et regardez.
Quelque chose est apparu ici. Déjà, on a un trou ici. Et puis, il y a ça qui est apparu. Ça n'y était pas avant. C'est parce qu'on avait 9 upgrades de vie. Ça y est. On est officiellement dans la fin canonique. Voilà. Ça fait 10 minutes déjà, à peu près. Ça sauvegarde pendant 4 ans. Donc ça y est, on a l'épée d'eau, c'est irrévocable. On est dans la fin canonique du jeu. Ah d'accord. Ah mais c'est intéressant ça. D'accord. Non mais si c'est pour me faire des coups de pute comme ça, autant revenir, hein. Ah mais oui, je suis con. On peut passer par là, je crois. J'attends que le poteau commence à remonter. Wesh poteau. MDR. Oui, j'ai paniqué. Les sables du temps. Malgré mes efforts pour les détruire, ils me hantent toujours. Même si je m'empare du masque, le destin réclamera ma vie. Ce n'est qu'une seconde chance d'échouer. Bah alors pourquoi tu le fais? Quelque chose m'échappe. Ce mur, il ressemble à celui dans la prison. Ça a déjà marché. Ouais, tu attends. Parce que là, il y a une image en fait, tu vois. Par contre, j'aime bien la design de la salle. C'est bien beau. Alors là, ce que j'adore, le levier a disparu. Genre, allez vous faire foutre. Et les sables du temps sont sur le sol. Voilà. Si Kaelina ne mourait pas dans le passé mais dans le présent, les sables seraient créés. Mais le Maharaja ne les trouverait pas. Il n'aurait jamais été amené au palais et je ne les aurais jamais libérés. Le Daaka ne se soucierait plus de moi. Mon objectif est simple. Utiliser le masque pour forcer Kaelina à venir dans le présent où je peux la tuer. C'est si simple. Ça semble si simple. Belle technique. Normalement, il y a une cinématique si jamais je l'ai trouvée sur internet. Parce que je sais pas si je la trouverai. Maintenant que j'y pense, je crois que je l'ai pas. Et 37. Hop, non. Oui. Vous avez vu, ça lag même. On va se dépêcher de finir cet épisode. Voilà. Et voilà le travail. Et on obtient logiquement le dernier réservoir de sable. Et nous voilà dans le passé.
Est-ce qu'on arrête là pour faire un petit épisode court? Non. On continue encore un peu. Salut. D'accord, c'est bon, calmez-vous. Enfin des chiens qui n'explosent pas. Voilà. Et qui font des bruits chelous. Retenez bien cette salle, on y reviendra plusieurs fois. Je comprends pas pourquoi ils se sont fait chier à faire ça comme ça. Cette zone. Vous voyez, c'est suspect, une si grande plateforme. Vous voyez? Mais vous respawnez en fait. C'est ça le bail en fait. Ouais, c'est ça le bail. Et là, regardez. Hein. Vous savez quoi? Je propose que j'arrête ici, moi. Que je vous mette le teasing comme ça. Donc, j'espère que cet épisode de Prince of Persia: Wild Rising vous aura plu. Normalement, j'ai peut-être trouvé la cinématique qu'il y avait. Allez, je vous aime fort. Bye tout le monde!